langue. David Abbasi a reçu, sur l'antenne d'ici et maintenant, plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur France-26-opinion.info. France-26-opinion.info. Voilà, mes chers amis, au 08 92 23 95 20, j'ai le plaisir de recevoir Michel et Pippa. Pippa, bonjour. Pippa, bonjour. C'est bon, je suis à l'antenne. Allô? Oui. Je peux dire bonjour à tout le monde. Voilà, Michel. Allô? Est-ce que je parle en même temps que Michel? Sinon, je raccroche. Non, Michel, seulement il a dit bonjour à tout le monde, et puisque c'est ton tour, tu parles, et après, ça sera Michel. Bonsoir, Pippa. Oui, donc c'est moi qui parle, Pippa, avant. C'est bien ça, David? Oui, les femmes d'abord. Hein. Ah, c'est trop gentil. Merci, David, parce que je veux faire attention un petit peu. Voilà, ça va très vite, les unités. Voilà, et j'ai un portable qui dysfonctionne. Oui, bonjour, David. J'espère que tu vas bien. Toujours très, très heureuse d'entendre le grand David Abbasi. Merci. Voilà, et toutes les informations que tu nous donnes. Mais j'avais juste une question, parce que je suis étonnée depuis la dernière fois où j'ai entendu ton intervention, cher David. Je me permets de te tutoyer parce qu'on est entre nous, bien sûr, entre rimistes distingués, entre initiés, j'allais dire, d'une grande radio. Mais les vaccins, David, finalement, tu es pour ou tu es contre? Parce que tu nous as été une précieuse aide en tant que lanceur d'alerte par rapport à ce monstre de Soros et ce monstre de Bill Gates, parce que je les appelle comme ça, parce que c'est le surnom qu'il mérite à mon avis. Et là, j'ai cru comprendre que tu serais pro-vaccin finalement, enfin... Tu sais, actuellement, si, écoute, moi j'ai toutes mes idées, j'ai rien abandonné. Mais tu sais, comme je dis, quand tu es dans la guerre, quand l'ennemi l'attaque, il est en face de toi en train de tirer. Toi aussi, tu dois sauver ta vie et ta peau. Mmh. Actuellement, le virus Corona, qui est fabriqué 100% par les êtres humains. Ah, nous sommes bien d'accord. Bien sûr, oui, c'est virus... David, parce que comme ça va faire beaucoup d'unités pour moi, je vais me permettre de dérouler mon petit speech. Je raccroche et j'écoute ta réponse ensuite, si tu permets. D'accord. Merci beaucoup. Ah. Oui, je suis d'accord, ce vaccin a été créé de toutes pièces, nous sommes tout à fait d'accord. Il y a un épidémiologiste qui s'occupait d'être un observateur, qui a été intervenu. Je l'ai déjà mentionné avec la belle Morgane, et la talentueuse, notre adorable Morgane, à la Cibelle, et apaisante voix, ça fait toujours un bonheur fou de l'entendre ou de l'avoir au téléphone. Pour moi, c'est un remède. Et donc, j'adore cette jeune femme, elle est très belle, puisque je vous ai vu tous les deux à une signature d'un de tes livres, un bonheur. Une très belle jeune femme, belle à l'extérieur, belle à l'intérieur, et comme son père, le bon sang ne saurait mentir. Voilà. Et les chiens ne font pas des chats. Et donc, bon, j'avais mentionné le fait que, bon, envoyé spécial, il y a maintenant un an, un épidémiologiste, je pense, qui s'occupait d'être un petit peu dans un observatoire qui s'occupe, disons, d'être un observateur du trafic d'organes dans le monde, il l'avait balancé net, hein, sur envoyé spécial. Je n'ai plus la date exacte, mais à Wuhan, déjà j'adore les animaux, donc je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des cobayes, bon, ça c'est une chose, les animaux suppliciés dans le laboratoire P4 Wuhan étaient revendus plein de virus sur le marché de Wuhan. Voilà ce qu'il a balancé. C'est un scud, mais personne n'a apparemment réagi. C'est passé, c'est totalement invisible. Moi, j'en ai parlé à l'antenne, aucune réaction. De toute façon, dès que j'interviens à l'antenne, il n'y a jamais aucune réaction. Quand je fais un petit compliment à une personne, j'attends un petit retour, pas grand-chose. Jamais. Bon, très bien, c'est un sens unique. Bon, pourquoi pas, point note. Bref, donc je l'avais déjà dit, aucune réaction des auditeurs, aucune réaction non plus sur des chaînes, etc., etc. Et puis, c'était pas n'importe qui. Le mec avec un visage bien, hein, de mec très très bien, pour une fois qu'un épidémiologiste sera bien, bon. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'est un virus qui a été créé de toutes pièces. Nous savons très bien le programme, David, vous en avez, enfin, tu en as assez parlé. Donc, tout ça a été programmé, etc., etc. Bill Gates, Soros et le Bohemian Club. Je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire la trilatérale, Bilderberg, l'État profond américain. Comme disait Eisenhower, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Je l'ai dit à l'antenne, je crois pas plus tard que... hier, avant-hier à Morgane, je rajouterai moi, un petit rectificatif, le complexe pharmaco-militaro-industriel américain. Donc ceux qui dirigent vraiment les États-Unis, c'est-à-dire ni Biden, ni ceci, ni cela, ni Trump, ni la poudre aux yeux, mais le vrai en sous-main, le vrai État qui est vraiment l'hydre dont les tentacules s'étendent partout dans le monde. via la CIA, la NSA, etc., etc. Donc voilà, je voulais juste être rassurée pour savoir, David, voilà, je comprends qu'il faut être prudent, puisque ces gens-là sont très dangereux. Mais de toute façon, la planète a été fossoyée, la planète est un être vivant, cette planète n'est pas contente du tout, cette planète va réagir, nous sommes à l'ère de l'anthropocène, il y aura une sixième extinction, c'est certain, et nous sommes les prochains sur la liste. Donc soit nous nous redressons la barre, nous nous ressaisissons, nous la défaussoyons, j'allais dire, parce que les océans ont été désoxygénés. Oh, c'est difficile à dire. Désoxygénation des océans, je vais commettre des lapsus, plus acidification des océans. Tout ceci doit cesser. Hein, c'est le poumon de la planète. Les volcans sont les big boss de la planète. Donc il y a la ceinture de feu du Pacifique. Les États-Unis sont construits, entre guillemets, sur le Yellowstone. Donc ils dansent sur un volcan. Hein. Donc il y a Big One qui est toujours possible, San Andreas. Des méga tsunamis sont possibles à l'est via les îles Canaries ou à l'ouest via Hawaï. Donc avec tout ça, la planète n'est pas contente. La planète est un organisme vivant. Ce n'est pas le grand Didier de Plaige qui est un précurseur et un visionnaire pour moi qui dirait le contraire. Donc Gaïa, la Pachamama. Donc nous avons intérêt à nous réfléchir très vite, ne plus supplicier les animaux, ne plus fossoyer notre planète. Quant à cette histoire de vaccin, de toute façon, qui sème le vent récolte la tempête. Alors de toute façon, ces vaccins, il n'est pas question qu'ils deviennent obligatoires. Si c'est le cas, de toute façon, ce bipède est mal barré. Moi, c'est tout ce que je peux dire à mon échelle modeste. Hein. J'observe les choses, je ressens les choses. Je ne suis pas un chaman, hein, mais bon, je ressens, j'observe. Je n'ai pas Internet. Ça, merci David d'avoir assisté à ma dernière intervention parce que je suis en cours d'un Internet. Il faut être sur Internet. Mais je suis nulle en technologie. Je suis très analogique et pas numérique. Donc, hélas, je suis pas très fut-fut. Pour ça, malheureusement. Donc, ça va prendre du temps. J'ai heureusement R.I.M. pour m'informer, c'est pour ça que vous êtes si précieux. Toi David, notre Morgane, Didier de Plaige, le grand Didier de Plaige, un visionnaire pour moi, et voilà. Donc ces vaccins, moi il n'en est pas question. Comme a dit une fois l'un des auditeurs, je préfère mourir que de me faire qu'une seringue approche mon bras. Carrément. Hop. Je suis extrémophile, comme les extrémophiles. Voilà. Et donc c'est un petit peu excessif, bien sûr, c'est un petit peu ridicule, puisque de toute façon, ce vaccin a été conçu pour décimer à grande échelle. C'est-à-dire que ce ne sera pas vu, pas pris. Les gens mourront dans 2, 3, 4 ans. En tout cas, les États concernés n'auront pas à leur payer leur retraite. Je suis toujours à l'antenne, David ? Oui. Oui, bien sûr. Alors, je finis mon speech, mon laïus rapidement pour entendre ta réponse, qui est toujours précieuse. Donc, le but, c'est de décimer. Je suis bien d'accord pour dire que nous sommes trop nombreux sur cette planète, beaucoup trop nombreux. Les sapiens, elle n'en peut plus de notre nombre, la planète. Nous pullulons comme un virus, comme un cancer. Cela doit s'arrêter, mais pas de cette façon-là. De cette façon lâche, lamentable. À chacun de devenir un petit peu mature, de faire un enfant par tête de pipe, enfin par foyer nucléaire, la famille nucléaire. Voilà, il faut un petit peu réfléchir, il faut un petit peu nous ressaisir, penser à la planète, penser aux animaux. Les animaux ne valent pas moins que nous, ils sont exactement aussi intelligents que nous, ils sont seulement différents physiquement. Ils sont les mêmes que nous. Nous ne sommes pas plus intelligents parce que nous savons envoyer des satellites dans l'espace, ça c'est faux. Eux ont plein d'autres capacités, notamment comment dirais-je, télékinèse, de télépathie, etc. Ils nous sont parfois bien supérieurs. Donc nous ne sommes rien que des sapiens, nous sommes juste une espèce de primates déviantes. Alors à nous d'être moins déviants et de rectifier la situation. Quant à ces vaccins, il n'est pas question que cela devienne obligatoire parce que sinon ça déclenchera vraiment... Moi je sais que cette planète est en train de préparer quelque chose, je le sens. Je sais que là on est au bord de la catastrophe. Donc ressaisissons-nous tous et que le Bohemian Club, là, l'État profond américain, la trilatérale, le Bilderberg, se calme parce que ça va barder. Maintenant, David, j'arrête à mon speech énervé parce que tout ça me met dans une rage folle. Et j'espère, David, que mon cher ami, vous n'avez pas changé de camp, même il faut être prudent avec ces gens-là, c'est vrai, mais vous êtes déjà follement courageux de déjà balancer les scuds que vous balancez à l'antenne. De toute façon, j'allais dire, vous serez protégé par la Pachamama. Voilà ce que j'allais dire. Donc vous ne courez rien, aucun risque. Mais il faut être prudent avec ces gens qui peuvent assassiner comme ils respirent, surtout s'ils menaçaient, par exemple, votre fille, parce que vous avez un truc, ils menaceraient Morgane, tout ça. Je comprends tout à fait. Mais les vaccins, c'est niette, et cette planète est en train de... Il y a quelque chose qui s'est déclenché là, maintenant, au moment où je parle. Un compte à rebours a commencé. Moi, je ne dirai pas lequel, je ne suis pas chaman, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas un esprit cosmique, mais je sais qu'il se passe quelque chose en ce moment même et que quelque chose s'est enclenché. Maintenant, c'est à nous de nous ressaisir. Cher David, pardon d'avoir parlé comme une mitraillette, mais je laisse la place aux autres, c'est pour ça que j'ai parlé vite et que je suis très, très énervée par tout ce qui se passe. Maintenant, pour Bernard Tapie, la dernière fois, je ne m'étais pas expliqué, mais ce Bernard Tapie est une crapule, une créature préparée de toutes pièces par l'arsouille. c'est-à-dire Mitterrand. Alors, c'est les gendarmes qui l'appelaient comme ça. Mitterrand, enfin, c'est une créature, ce tapis de... bon, ça, c'est un autre sujet. Hein, mais comme tu m'avais un petit peu repris, et j'avais pas eu le temps d'expliquer, David, ce tapis n'a eu que ce qu'il méritait. Bon, pour la bonne femme, c'est un petit peu excessif. Après, ce bonhomme profite de nous, 300 millions d'euros de contribuables, de ceux de Morgane, de ceux de Didier de Plaige, des miens, des vôtres, David. Et ça, ça n'est pas acceptable quand des gens dorment dans la rue, etc., etc. C'est pourquoi ce sale type, je le déteste aussi. Voilà, maintenant, sur ces bonnes paroles, j'attends votre grande réponse de très grand homme. Et je vous adore, David, je t'adore. Et voilà, et Didier de Plaige, précurseur, visionnaire. Je ne peux pas me passer de R.I.M. parce que vous êtes ma source d'information. J'adore beaucoup d'auditeurs, dont Denise, dont bon, Spartacus est intéressant aussi. Bon, voilà. Donc, mais quand on fait des compliments, on n'a même pas un tout petit retour de manivelle de juste sympathiquement, un tout petit mot. Ceci est un petit peu décevant. Mais bon, ça ne fait rien. Tout ce qu'ils disent est très intéressant. Comme vous l'avez dit, cher David, c'est une université R.I.M. avec les RIMistes distingués. Je vous embrasse très très fort, David. Je vous souhaite la plus longue vie possible. Bon, déjà, elle a été excellente, brillante, etc. Et puis Morgane, pareil. Et de toute façon, peut-être aurais-je l'occasion de rappeler. Maintenant, j'écoute votre réponse. Merci beaucoup. Et à tous, j'embrasse tout le monde. Merci. Pardon pour le débit de mitraillette. Non, c'est pas grave. Merci. Bonne soirée. Merci. Voilà, mes chers amis, des questions assez intéressantes de la part de Pippa. Mais puisque Michel est là, on va prendre Michel en attendant que je réponde, bien sûr, à Pippa. Oui, Michel, oui. Parce que ça faisait longtemps que j'avais du mal à... D'accord. Alors, Michel, ça va, tout va bien. La radio. Oui, Michel, tout va bien. J'avais entendu l'émission déjà du chef de guerre, David. Non, c'était sur Massoud, le commandant Massoud qui était décédé il y a très longtemps. Et on avait une émission, c'était il y a le mois dernier déjà. Il a été assassiné. Alors depuis ce temps-là, j'ai pas pu parler. Et là maintenant, j'entends toujours parler donc du Covid. Je me dis qu'en fin de compte, je vois pas pourquoi il aurait été fabriqué ce vaccin. Moi, je suis pas du tout convaincu de ça, parce qu'à vrai dire, c'est simplement, je pense, une conséquence du mode de vie alimentaire.